J'aime la nature. J'aime m'y promener, l'observer, la filmer aussi. Il n'y a pas longtemps, dans la région, on a eu une tempête qui a cassé pas mal d'arbres. Il y a eu beaucoup de dégâts ici. Des arbres ont été déracinés, des arbres parfois centenaires. Et après la tempête, on est obligé de constater les dégâts. Et puis, au gré de mes balades, de mes déambulations dans la nature, je me suis aperçu que il y a des chemins qui ont une histoire. Ce chemin-là, par exemple, le chemin du tramway. Quand on y chemine, on n'a pas l'impression qu'il y a eu un jour des rails. Et pourtant, c'est bien le cas. Dans les années 1930, sur ce chemin, il y avait bien un tramway qui partait de la Murette, la commune, et qui naviguait un petit peu dans le coin. Après la tempête, il y a eu des dégâts qui ont rendu les chemins moins accessibles. Donc je prends mes outils et puis de temps en temps, je vais entretenir ce chemin. Mais la nature nous montre, comme ces libellules par exemple, qu'elle aura toujours le dessus sur les dégâts provoqués par des phénomènes naturels, comme la tempête. Après avoir travaillé un peu sur ce chemin, je décide de me faire un petit café. Donc je commence par explorer un petit peu et je tombe sur ce gros rocher. Baf, ce sera parfait pour y installer mon réchaud et me faire un petit café avec ma cafetière italienne. Je récupère par terre de la clématite. La clématite, vigne blanche, ça ressemble à des lianes qui tombent des branches des arbres. En fait, elle vient du sol et elle va en direction des arbres. C'est une plante, quand elle est sèche, qui brûle très très bien. Je vais me servir de cette clématite comme combustible pour mon réchaud. Pour démarrer mon feu, j'utilise du bois gras de pin. Le pin, c'est un résineux qui possède un bois chargé de résine qui s'enflamme très facilement. La moindre étincelle suffit à enflammer de la poussière de bois que j'ai fait avec le dos de la lame de mon couteau. Maintenant, j'ai plus qu'à laisser brûler la clématite dans le réchaud et puis approvisionner un petit peu de temps en temps, puisque la clématite se consume très vite. Ah, enfin, ma cafetière italienne m'avertit avec son bruit bien à elle que mon café est prêt. Bon, léger le café, vu comme il est transparent, je tiens à dormir cette nuit. J'avale mon café, un petit coup de pierre à affûter sur ma faucille et je retourne au travail.
Alors que j'étais en train de scier la branche ici, là, je viens de voir à l'intérieur de ce trou. Vous voyez, là, il y a la petite moustache, là. Bah, là, c'est une petite souris qui est complètement effrayée. Et là, ce trou, c'est son seul échappatoire. Donc, je vais poser ce bout de bois là où je l'ai trouvé, sous l'endroit où je l'ai trouvé, ici. Et puis, bah, je vais laisser cette demoiselle tranquille pour lui laisser finir sa vie tranquillement. Là, on peut voir que le morceau qui a cédé au vent, c'était déjà un morceau de bois qui était à moitié pourri. D'accord ? Cette partie-là était pourrie. Cette partie-là, plus claire, était encore alimentée en sève. Et c'est ce qui fait qu'on a une branche ici, sur laquelle il y avait encore du bois vert. Et ce qui explique qu'on a une branche ici, morte, à l'intérieur de laquelle Madame Souris avait élu domicile. En train de se couvrir, et pas qu'un peu. Météo France annonçait des orages pour la fin de journée. La fin de journée, on y est. Et même le début de soirée. Donc je vais raccourcir encore un petit peu la branche là, et puis après quoi il sera temps de prendre le chemin du retour. J'ai à peu près une demi-heure de marche là.